Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, et ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout, très chers abonnés. Nous sommes là une fois de plus pour vous informer de la situation au Ezakoulekana, République démocratique du Congo. Voilà, match Balouki en Bongo, coincé contre mur. Tu es bien Kibino que non? Le président de la République aujourd'hui a pesa biso liberté d'expression, mais liberté d'expression na biso emi ma biso te na libertinage. Parce que Ambongo pensait peut-être que non, en soutenant le M23, en soutenant Kagame, nde yango ekopé ça est passage de démolir plutôt. L'armée congolaise est de démolir nyonso tout ba avancé nyonso ya mokonza mboka. Le président de la République a outi koloba yango clairement. Liberté d'expression et comme sa biso lokola te libertinage. Pourquoi au moment où le pays est en guerre, au lieu plutôt biso tozalana to se focaliser, to encourager l'armée congolaise, to encourager Bawazalendo, mais ce qui est bizarre est allu que non, au contraire, nganga nzambe ozali censé de prier pour la nation, de prier pour la République démocratique du Congo, il est là en train de créer, en train de dire les choses où ils allaient couper sa avantage, où ils allaient couper sa lissoussou. Comment je peux dire couper sa pouvoir na monguna où ils allaient Kagame. Très cher Congolais, qu'est-ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo? Au moment où je vous parle, le FARDC à quelques kilomètres de Rubaya. Il pensait peut-être que non, Ndenge, Bazui Rubaya, Bazui Basaliboye, Rubaya et Kozala toujours entre les mains du M23. Ils ont oublié que non, le FARDC et puis le Ouazali de Bazali déterminé de récupérer toute la partie est au Ezali Nama. Beaucoup yaba étrangers. C'est pour cela beaucoup remarqué à chaque fois, Bande Konanga. Depuis qu'on avait remarqué, depuis qu'on avait dénoncé, on avait appréhendé, arrêté, Batonion surtout, au Bazali qui ont participé, Bande qui ont participé à la tuerie, Bande qui ont participé à massacre. Oh, babande qui commis bomba, babande qui pensait peut-être que non, t'es arrivé à Corneille, nanga arrivé à John Numbi, yabatonion surtout, oh, bako luka ko déstabiliser le Congo, soki baye, nous allons faire sortir, batonabiso pour na kouya ko déstabiliser le Congo. Depuis to kanga ki bango, nous avons compris que non, la paix a changé de camp. Voilà, la paix a changé de camp. Très chers Congolais, vous qui nous suivez de partout, Avant de faire la grande parenthèse aux alliés émission Nabiso, je vous prie tout d'abord de partager l'émission parce que ça fait longtemps où tout le monde en a quitté, toujours ça la pub émission T. Comprenez que non, moi, Banzoto et Ninganaki. Mais nous sommes là pour vous informer, pour nous relater bino ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Tout d'abord, nous allons lire l'information. Wapi et kobetisa bato ya ngambo wana kuna mutu et kobetisa badongolo miso nyonso tu oba koluka Congo et ko ya ba koluka Congo elala et beba. Comment est-ce que au moment où je vous parle, Félix Antoine Tshisekedi Fatou Béton a kota bango très très mal à l'aise? Alors très cher Congolais, laissez-moi vous lire, parce que Kabila aujourd'hui, il est coincé na mdenge moko ya kosakanate. Martin Fayulu aussi vient de parler. Nous allons lire aussi l'information. Comment est-ce que Martin Fayulu a lobby ou esengela ki aloba pour vous faire comprendre. Alors, nous allons commencer tout d'abord
Vive tension à Goma. Vive tension à Goma. La tension monte dans le quartier Mugunga à Goma. Vive tension au quartier Mugunga après le drame dans les camps de déplacés qui a causé la mort de plusieurs déplacés. Les déplacés dénoncent le tuerie et appellent les autorités à prendre des mesures pour leur sécurité. Situation en cours. On est allé, première actualité, na biso ya Goma. Et puis, actualité moussousou, autofoto tang et la bino pour vous comprendre. Bon, développons d'abord Owana et puis Tokokota, Namasolo, Oitali, Fridolin, Ambongo. Très cher Congolais, les M23 na minute auto ko solo na bino très cher Congolais. Ba komi na niveau à ce que depuis que l'armée FARDC a commencé à paralyser le militaire RDF rwandais et puis le M23, ba stratégie nyon surtout au Kagame komi ko bimisa et komi ko zala anéanti, ya ndenge moko ya kosakana te. Alors, ils ont commencé à larguer de bombes par-ci par-là nyon soala nini pour déstabiliser FARDC. Aujourd'hui bazali une armée au wapi ba komi ko pesa lelo ba congolais et belé ba komi ko pesa congolais et belé sourire. Bande ko nanga bino bokolanda biso de partout. Kagame a cherché à tout prix comment est-ce qu'il va corrompre plusieurs Congolais. Oyo wapi, ba kota la lisusu ba intérêt ya mboka na biso te, tokomi kota la beaucoup plus ba intérêt ya poche na biso. Normalement et puis également avec Fridolin Ambongo. Pourquoi Fridolin Ambongo était là en train de défendre les M23 et puis en retour en train de défendre Kagame, alors que Fridolin Ambongo, il paraît, Ndengeya Yebisaka Biso, il est Congolais de père et de mère. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre pourquoi Fridolin Ambongo, aujourd'hui, hier soutenaka le M23, Azako Bundela le M23. On a toujours dit ici, très cher Congolais, Batonion surtout au Lelo. Bah kokote la les M23, bah kokote la Kagame, la plupart d'entre eux ce sont des gens qui ont été déjà corrompus depuis. Parce que aujourd'hui un Congolais de père et de mère ne peut jamais accepter ou soit ne peut jamais se laisser aller corrompre par Kagame, par l'ennemi et puis en retour ayeba na ko déstabiliser ka ba intérêt ya mboka na bango. Fridolin Ambongo aujourd'hui prend part, roule pour Kagame. Alors que dans mon cannabis aujourd'hui, nous avons besoin qu'on puisse tous à la esika mokote bana ko combattre monguna oyoyo ezali nini oyezali ba ko luka ko iba la ko déstabiliser le Congo. Et puis na ngambo ya ecclésiastique oyoyo, si je me trompe pas, les nos clergés ba lobi que non. Soki poursuite judiciaire au bâtier contre Ambongo et au continué, tu es bâti à notre désordre et kobima na mboka. Vous voyez aujourd'hui comment est-ce que même les dirigeants catholiques au Moussou Bakolanda Ambongo, ce sont de dirigeants au Wapi Bazali aussi corrompus. Par amour pour en retour, bah y'a ben à soutenir, bah propos aux Ezali, bah propos moro coupé ça avantage, na monguna aux Ezali Kagame M23 et puis en retour bah y'a ben à kakubuma kaba Congolais. Très cher Congolais, le Rwanda a mis en place plusieurs stratégies pour démoraliser le peuple congolais. Le Rwanda a mis en place
plusieurs stratégies pour nakouyeba nako désorienter population congolaise. Vous avez vu comment est-ce que Kabila aujourd'hui Nanzela ya moi sinaye Olive Lembe. On nous dit de prier fortement pour que Kabila aille na kozonga na Bokondi. Pourquoi Ambongo ne peut jamais s'imposer contre Kabila? Parce qu'il sait que non, Kabila a pécié ou soit Kabila a coupé sa kayeba avantage. Oezali, ya kouyeba na koutika moka na passoire. Parce que aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, il est tellement na rugueur ya matasi contre contre Batounion, surtout au bas Koluka, ko faire échouer Mboka, contre Batounion, surtout au bas Koluka, nini, Koyeba na koubebi sa le pays. Alors, Onion, surtout bas ko travaille na bénéfice ya Kagame. Onion, surtout bas ko travaille na bénéfice ya M23. Ils n'accepteront jamais de continuer de travailler avec Tshisekedi. Ils n'accepteront jamais de voir les avancées de président de la République. Alors qu'un régime, il y a Hippolyte Kanambe Kazembere, on a vécu dans ces pays plus de 18 ans dans le règne de Kabila. Puis le pays a été corrompu dans le monde de Kosakanate. Kabila a commis ça qui mboka na biso, a commis ça qui la RDC, le mboka yaba dongolo miso nyonso tout oyoyo ba viva kana mboka na biso te, parce que le Rwanda aujourd'hui avait une grande part ya mboka na biso, alors que les Rwandais aujourd'hui bazali lokola ba visiteur ba yena mboka na biso, mais ba koma ki na grande partie ya koloba ya ko oseton na mboka na biso, alors que non ba Rwandais bazali ki ba congolais te. Alors, le président Félix Antoine Tshisekedi Ayeko Longola Kagame na place où peut-être il pensait que non, départ ya Kabila ne ekoza la continuité ya Tshisekedi na ba corps au basignakala. Parce que c'est à travers Kabila Hippolyte Kanambe Kazembere, il a signé des accords. Accord au lelo ezui et kotisa Congo na libungi, accord au lelo ezui et komisa Congo na se ya na se ya ba massacre. Parce que Kabila aujourd'hui pensait peut-être que non, il va régner ndenge moko ndenge Kagame a régnaka. Mais Dieu est bon. Na mawa ya nzambe alobi non plus question ya kuyeba na nini ko continuer na esclavagisme au Kabila ekotiki la biso. Mais depuis arrivé à Mokonja Mboka Félix Antoine Tshisekedi, nous avons vu de changement. Oui, malgré tout certaines personnes ba koloba ke non te boko mona ba détournement, boko mona ba vol, boko mona be. Oui, on en disconvient pas. Mais le pays a été déjà corrompu na kosakanate. Alors pour chasser ou soit pour na koyeba na ko vider tous les corrupteurs, tous les bâtonniers surtout ba ko corrompre bateau. Tous les bâtonniers tout ba ki ba ne ko infiltrer mboka. Ezo senga temps. Comment est-ce que Kabila a fait 18 ans au pays? Asilisa ou Sengeli Asilisa te na 18 ans, mais Tshisekedi a fait seulement 5 ans. Mais qu'est-ce que Tshisekedi a fait pendant 5 ans? Vous voyez comment ce qu'aujourd'hui le PPRD de Kabila sont là en train de créer des choses. Oezali balobi ke nante a ndenge to ko créer makam na biso be ifoto ke na oti na suka. Yangana très cher Congolais, il faut aussi mbanabiso na biso pour que le Congo ne puisse pas être tombé entre ou soit le Congo et balako kende na maboka ya banguna te. Parce que Kagame jusqu'à présent est en train de chercher ndenge nini oyo wapiye il faut à récupérer est de la République. Mais bonne nouvelle pour tous les Congolais. Rubaya à quelques kilomètres. Avant de décortiquer nos makambo mbongo. Rubaya à quelques kilomètres. Bande kolangai
Je vous ai toujours dit ici, très chers Congolais, ce qui vous l'a dit dans l'émission passée, beaucoup comprendre ce que je disais dans toutes les émissions. Je vous ai toujours dit ici, très chers Congolais, mais beaucoup l'a dit de partout. Kagame a des stratégies, aux alliés. Comment est-ce qu'il va déstabiliser le Congo? Et puis je vous ai prévenu dans ma émission que non, bah minéré na biso ekozwa à partir ya Mushaki. Bah et nango, si je me trompe pas, Rubaya, si je me trompe pas, excusez-moi. Et puis bah koko tango, non, à partir à Mushaki, des places wapi bah monaki, on avait remarqué plus de 3 tunnels. Plus de 3 tunnels oh ben ko amené ti na Rwanda. Chose bizarre ezali nini. Na Rubaya wana coltan ezali na Rubaya. Si quoi le quoi la coltan ezali na Rubaya. Alors, dans Rubaya, très cher Congolais, il y a des coltans. Pourquoi Kagame a voulu encercler Rubaya, récupérer Rubaya? Parce que Kagame a ébaki déjà ma stratégie n'y en surtout. Kagame est stratège. Je vais vous dire pourquoi. Dernièrement, Totangela Kibino, comment est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda est devenu le premier exportateur ya coltan, numéro 1. Alors que le deuxième pays, Ozali, exportateur ya coltan, est commis RDC. Vous avez vu Kagame aujourd'hui, il sera aimable. Il sera aimé par la communauté internationale. Oh wapi bakopé ça y est ba avantage et belé pourquoi parce que azalina nini azalina ba minéré mais ce qui nous étonne azalina nini au lieu peut-être le Congolais puisse se sensibiliser te bana ko telema te bana ko bundela école na biso te bana ko bundela mboka na biso à travers des émissions à travers ko dénoncer mais vous voyez mutoloko la ambongo il est là en train de soutenir le même personne au Bako Bundisa, Mbokanaye, au Bako Bundisa, Armenaye. Parce qu'aujourd'hui, le Rwanda n'a pas de minéraux. Oh, le loto kotang en la classe que non, le Rwanda a de minéraux quelconque. Non. C'est pour cela que Tshisekedi a voulu rencontrer les opérateurs économiques français. Pour nous dire ça, clairement que non, ba minéraux au Boko Somba na Rwanda. Rwanda n'a pas de minerais. Mais tous les minerais que vous voyez au Rwanda, là, ce sont des minerais où ils sont dans l'est de la République, où ils sont dans le Mbokanangai. Parce que Ambongo, il est là en train de faire la propagande de Kagame, la propagande du M23. Rubaya est encerclé entre les mains du M23. Mais je vous confirme, et puis bonne nouvelle, c'est quoi? Les FRDC à quelques kilomètres de Rubaya. Et puis plusieurs. Mais ça, c'est obété à Kusakanate. Ils pensaient peut-être que non, ceux qui t'ont récupéré Rubaya, et que tu sais qu'il va céder. Parce que, dans la minute, oh, le Rwanda. Ba cause la ni ba cause la tiseke depuis céder na nyon surtout oyoyo pour que nini en retour ba ba na cause na tiseke la senga nini oh non je vais négocier après avoir qu'on négocier to ya ko ndima nini infiltration et puis brassage na quatre armées ntembo cannabis comme une ezonga lisusu na libungi o izala kana Hippolyte Kanambe Kazembere très cher Congolais. Fridolin Ambongo mérite d'être arrêté. Pourquoi nous insistons à ce que Fridolin Ambongo soit arrêté? Fridolin Ambongo est en train de faire la propagande. Il y a ennemi au Yakobundisa Bisso dans la République démocratique du Congo. Fridolin Ambongo, au lieu de décourager Kagame, au lieu de décourager le M23, mais Fridolin Ambongo, il est là
en train de renforcer davantage le M23. Fridolin Ambongo n'a jamais été sincère avec les Congolais. C'est pour cela que nous demandons au président de la République. Ce que Kosenga a été, pape a destitué Fridolin Ambongo na place Azali. Il faut pas destituer Fridolin Ambongo. Ce qui est dans le pays, prêtre catholique, nganga nzambe a sali erreur bazu ba kangé ba kote boloko cela eloko na pe il faut essayer passer aussi en République démocratique du Congo parce que Fridolin Ambongo a commis kozwa les devant ya ba homme politique au contraire peut-être soki to mona ki Fridolin Ambongo a ko bundela ba intérêt o ezali ba intérêt moko normal o ezali ya peuple congolais oui on allait comprendre mais non de com non de combattre à côté ou surtout au côté du M23 de Kagame pour qu'on paie sa bango avantage. Là, on n'acceptera jamais. Ouais, on n'acceptera jamais. Nous allons vous lire l'information de Fridolin Ambongo. Alors, Bande Kunangai, Fridolin Ambongo mérite d'être arrêté parce que nous avons compris une chose. En RDC, plusieurs personnes Oyo ba komona lokola mboka na biso eko tambola na bopete voudrais-je dire plutôt pourquoi j'ai dit ça parce que ebele aujourd'hui ils sont là en train de soutenir d'une manière ou d'une autre le M23 pour na en retour ba na kotongela ka biso ba ndako awa ba sombela ka biso ba voiture ya cher et puis ben on a conseillé l'arabiso vantard inutilement. C'est pour cela moi je vous ai toujours dit dans toutes mes émissions nous avons de M23 en cravate oh wapi bazali ba M23 mais to ko ba te gano bazali ba M23 dernièrement on avait vu ko ici ba député au bazali censé de protéger la population au bazali censé de défendre la population mais ils sont là en train de collaborer avec le RDF le FDLR et puis na bato oyo ba yebi ko ya ko déstabiliser le Congo. Fridolin Ambongo a parlé ou soit alobaki ba biloko mongo awa nous allons vous lire pour comprendre. Le président Tshisekedi a dit: si vous êtes journaliste et que vous tenez des propos mensongers et diffamants, comme ce fut le cas d'un journaliste après la mort d'un ministre, vous vous exposez à des poursuites judiciaires. Un journaliste n'est pas au-dessus des lois. Pareil pour le cardinal Fridolin Ambongo. Là, c'est le président de la République qui est en train de dire. L'archevêque de Kinshasa. Il s'est récemment fait le propagandiste du Rwanda en disant que la RDC a armé le milicien Hutu de FDLR. Likambo yaba FDLR oyo nde yango ekimisa nanga Congo et mima nanga na Rutshuru lelo nanga ekomi mami mami kuna na Bertin Bisimwa. Tokoya na émission dans le deuxième numéro pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe réellement entre Corneille Nanga et Bertrand Bisimwa. Alors, Fridolin Ambongo est en train de confirmer que non, le FDR Hutu, Bazali Nambo Kanabiso, Tshisekedi, tout. Avant d'arriver na place ya Fridolin Ambongo, ya Marambaba FDR, tout zongi moukie na Corneille Nanga. Corneille Nanga avant que Akima Mboka na biso. Il avait dit que non, il y a de FDLR na garde républicaine. Va pour protéger Tshisekedi, boyebo tout et tout. Et ça là qui même pas 48 heures si je me trompe pas, Corneille Nanga salini Akimi. Biso to pensa qui peut-être que non Corneille Nanga est en train de et alors ça la combat moko juste à ko défendre que non il y a aussi vraiment des FTLR et tout alors que c'était une manière pour na ko permettre et ko rejoindre bato o bazali na race nae parce que vous dites que non il y a des FTLR au sein du garde républicaine
Mais vous êtes encore la première personne, Corneille Nanga, yakoki ma ko kene ko rejoindre du sous bato oyo bali ko sala biso mabe. Mais au comment na John Numba ko tweeter pour dire que non té Toko bunda kumba moko juste, kumba moko ezali réel pour na koya ko renverser Tshisekedi, ko bengana Tshisekedi na mboka na biso. C'est tellement compliqué, très cher Congolais. Si réellement il y avait des FDLR au sein de la garde républicaine, mais Tshisekedi n'allait jamais s'imposer dans le dialogue. Oyoyo Kagame a proposé de dialoguer. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a des confirmations dans les propos de Fridolin Ambongo à Lobby, mais il est incapable de venir prouver à la justice que non, il y a des FDLR dans la garde républicaine ou soit dans l'armée de Bissau. Et puis Fridolin Ambongo était là en train de faire le propagandiste du Rwanda. Pour nous, Koloba, est-ce que noté les Rwandais ont gagné le terrain, Bissot ont perdu, mais non! On s'est posé la question dernièrement ici, Ambongo est en train de rouler pour qui? Ambongo a été incapable de répondre à tous les Congolais, maître Naye Oye a salé là. Parce que à ce que nous sachons, Ezali que non, Ingi Koloba et que non, Ambongo est en train de servir le Rwanda. Parce que jamais une personne qui ne sert jamais le Rwanda peut contribuer à l'avancée yaba rebelle au bas qu'on lui a déstabilisé le Congo. Et puis la minute vu que le Rwanda basa qu'on encercle Rubaya, nous pensons que non, Ambongo est tellement content. Parce que en moment où il y a souci na ezalini, Kagame a récupéré Goma nyon surtout Kagame ba ba na ko envahir RDC et puis bango ba beta maboko ba ba kono te mandat Tshisekedi est simité. Alors que nous oublions que non, ce qui mandat Tshisekedi lelo ezali menacé de part et d'autre, c'est parce que il y a aussi de gens banganga nzambe mususu o bazali wana o baza ko faciliter communication du M23 batuloko la bambongo batuloko ba Fridolin Ambongo. Très cher Congolais, to continue l'ertue, mais tu le démontres, la liberté d'expression ne doit pas servir à affirmer de mensonges. Même quand vous êtes cardinal, je soulignerai que c'est la justice qui œuvre à chaque fois. La séparation des pouvoirs est respectée. Avec toute ma famille, là c'est pour ça que tu sais qui est en train de dire. Avec toute ma famille, mon père en tête, je me suis suffisamment battu dans l'opposition en faveur de la liberté d'expression pour ne pas en être aujourd'hui le fossoyeur. La liberté d'expression est garantie en RDC. Na régime ya Hippolyte Kanambe Kazembere, il n'y avait pas la liberté d'expression. Ils allaient quand sora to lobby et loko moko bu pa bazu ba ke ba kang ba zu ba kangio ba ke porter disparu boui. Mais lelo, grâce au président Félix Antoine Tshisekedi, nous avons la liberté d'expression de dire au tolingi to loba, mais tout en yakoyeba na kubate la lole monabiso na biloko oto okoloba soki to okoloba vrai toki to okoloba boso ya lokuta. Mais Fridolin Ambongo, lui, il est là en train de confirmer le mensonge et puis il est là en train de faire la promotion du M23, la promotion du Rwanda et de Kagame. Yangala bomoni, très cher Congolais, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut interpeller Fridolin Ambongo. Justice congolaise, après avoir interpellé Fridolin Ambongo, pendant quelques mois, après avoir qu'il soit arrêté, il faut aussi interpeller Olive Lembe. Parce que Olive Lembe aussi,
Bah propos oh loba qui n'abuse on a goma c'était des propos très 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 sensibles. Oh ligne que loba n'abuse que non. Aza baza comme on a déjà n'abopimbe ni awa ou abozongi à Kabila. Comment est-ce que Kabila il a fait 18 ans au pouvoir? Biso to sambela lisusu Kabila zonga na bokondi. Cela veut dire que Olive Lembe est en train de confirmer comment est-ce que John Numbi Corneille Nanga bazala ki na ba ibaide na bango ezali akoya ko renverser pouvoir ya Tshisekedi. Eh, c'est ça. C'est ça, très cher congolais. Bonne nouvelle, très cher congolais. Rubaya à quelques kilomètres du FRDC déjà bazan en marche et puis nos drones sont déployés. Pas question ya koti ka Rwanda ebana ko récupérer ebana ko zwa mabele na biso nyonso tout. Ce qui lelo le Rwanda est en train de prendre davantage, c'est parce que batulugwa ba fridolé ya mbongo baza ko bimisa ka ba maloba o sengelite ba bimisa pour la République démocratique du Congo. Voilà automatiquement seminaire wala bo s'abonner massivement beaucoup monter tokutani mbalasima.